m'appelle Benoît Guinaud, donc je suis donc le fondateur et directeur artistique donc du Levé Fashion Book. Et moi, bah, un peu, mon parcours a été un petit peu atypique parce que j'ai commencé par la coiffure. Donc j'ai été coiffeur en premier, j'ai commencé, j'avais 14 ans, donc j'étais quand même relativement jeune. Ensuite, j'ai fait du maquillage. Donc j'ai essayé d'avoir les deux parcours pour être complémentaire parce que j'ai vraiment ce côté artistique où j'aime bien savoir tout faire. J'aime pas être frustré d'avoir un truc qui me manque. J'en suis venu à créer ce magazine, donc il y a vraiment une continuité là-dedans où j'ai voulu un peu faire partager mon univers, ma vision de la mode. Ce magazine donc s'appelle donc Loewe. Loewe c'est un terme allemand en fait qui veut dire lion. Et en fait pour moi le lion c'est la force, c'est la grâce, plein de choses, et en plus j'ai la chance d'être de ce signe, donc voilà, le rapport avec moi c'est ça, c'est que c'est mon signe astrologique. Moi je suis très influencé par le voyage et la religion, c'est des thèmes que j'adore. Déjà parce que la religion dans n'importe quel pays du monde, ça a toujours une influence physique sur les gens, c'est-à-dire que les coutumes vont faire que des gens vont être maquillés d'une manière, coiffés d'une autre, habillés, enfin, pour moi c'est l'identité d'un pays, tout ce que je fais a un sens un peu onirique. Moi j'aime les physiques un peu atypiques, c'est-à-dire que je vais préférer une personne dans la rue qui aura vraiment ce qu'on peut dire une gueule, une personne qui aura vraiment un visage particulier, plutôt qu'une fille qui va, ou un mec qui va être juste joli. J'aime sortir le côté étrange des gens en fait. J'avais plein de choses à dire visuellement et je me suis dit je vais faire ce que je ne vois pas dans les autres magazines et qui me manque presque pour m'exprimer et puis pour faire quelque chose qui change.